Avant de commencer la vidéo, je dois vous prévenir que ce monstre est particulièrement flippant. Donc si vous êtes d'un naturel froussard, allumez vos lumières, mettez-vous sous vos meilleures couettes, parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter comment mon modeur a créé accidentellement le monstre le plus terrifiant de tout Minecraft, alors qu'il essayait de recréer SCP-096. Mais avant que la vidéo ne commence, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos potes, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker et surtout à vous abonner. Bref, ce que le modeur m'a dit là maintenant tout de suite, je vais tout simplement devoir trouver un coffre, et ça tombe bien, j'ai spawné dans un village. C'est quoi ce bruit-là? Oh! Qu'est-ce que c'est que ce monstre-là? Frère, il a un petit couteau dans les mains! Et il y a un creeper squelette. Oh, c'est trop. Je sais pas ce qu'il a créé, mais la vérité, je pense qu'on va vraiment flipper sur cet épisode. Bref, recherche de coffre. Ok, on a de la bouffe. Encore et toujours plus de bouffe. Table de craft, le pain et les premiers outils. Et j'en ai même profité pour les mettre en pierre. Mais écoutez, là maintenant tout de suite, il est temps de partir explorer les dernières maisons parce que toutes les autres sont vides. Et la seule que j'ai pas faite, eh ben c'est celle-là, bien sûr. Oh. Si? Oh, oh, oh. Regardez, c'est un cadavre coupé en deux. Oh, oh, ça tire des trucs. Oh. Planque-toi, Johnny. Oh. C'est dégueulasse. Oh mon dieu. Oh, c'est quoi cette créature de l'enfer, là? Oh, il fait des bruits terrifiants, mais écoutez. Oh là là, regardez ça. Dans le dernier coffre, comme par hasard, près des monstres terrifiants. Eh ben écoutez, on a le premier livre. Dans un premier temps, arme-toi, rends-toi dans la maison du marais. Attention, elle est hantée. Aïe, plus hantée que ça? Je sais pas si c'est possible, en fait. Mais oui. Mais oui, j'en sais rien si c'est possible. Mais en tout cas, je suis en train de me faire courser par une espèce de gros gremlins. Oh, saleté de gremlins. File. Oh, on va aller dans le marais. J'ai pas envie, mais on va y aller. Oh, faites qu'il sache pas nager. Ok, non, ça va, il sait pas nager, apparemment. Fabuleux. Oh, non. Et regardez ça. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé la maison hantée? Mais j'ai envie de dire si. Bien que j'aurais préféré trouver une maison en U. Oh, creeper. Oh, ça m'apprendra à faire des blagues de merde. Oh, je sais pas si je préfère aller dans la maison hantée ou si je préfère me faire péter par des creepers. Mais écoutez, en tout cas, on a des coffres. Oh, oh, regardez ça. Oh, il y a du stuff. Oh, trop bien. Oh, donne à tonton. Voilà, nickel. Encore, s'il vous plaît. Oh, trop bien. Oh non, ça c'est moins bien ça. Oh, file pourriture. Oh, on va rentrer dans la maison. Par où on rentre? Allez, ça suffit pourriture. Voilà, nickel. Oh, fou. Eh ben la vérité, c'est pas passé loin. Oh là là, non. Mais dans quoi je m'embarque encore, moi? Regardez ça. Bah j'en sais rien, mais au vu de ce que j'entends, il va falloir rentrer. Voilà, nickel. Oh non. Je sais pas si vous entendez, il y a quelqu'un qui pleure à l'intérieur. Titi? C'est pas un monstre, hein? Oh non, j'espère pas. Oh. Mais bref, écoutez, fouillage de maison. Voilà, nickel. Oh, et cadavres partout, génial. Fabuleux. Oh, des steaks. On va en profiter pour faire cuire le fer aussi. Et la madame qui pleure, m'en veut pas. Je prends juste un petit peu de bois pour me refaire une table de craft. Parce que tonton, il l'a oublié. Oh là là, j'ai mon cœur qui bat, là. Pourquoi? Oh, arrêtez! Oh, je sais pas quel monstre il a créé, le modeur. Mais la vérité, c'est déjà assez flippant, là, maintenant, tout de suite. Oh non. Mais bref, le fer il est cuit, je me récupère ceci et on va repartir à l'exploration de la maison. Et on va casser les vases parce qu'apparemment il y a du stuff dedans. Et écoutez, deuxième étage. Voilà, nickel. Et les cris sont de plus en plus intenses. Oh. Ok, ça c'est le balcon. Oh, oh, oh! Il y a des démons. Oh. Oh la vache! Et là, oh, il y a une madame. Bonjour, bonjour. Ça va? La farm? Oh. Dieu du ciel! Crève, créature de l'enfer! Oh, je hais mon modeur! Oh, je le hais! Oh, un coffre! Ok, on récupère ça! Oh, et je me tire! Oh, Dieu! Oh, c'était sûr aussi! Oh, voilà, j'ai des petits frissons! Oh! Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, c'était quoi cette créature de l'enfer, là? Est-ce que vous aussi, vous avez tapé votre meilleur cri de flippette? Eh ben, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, j'ai crié comme une petite fillette. Oh, mon Dieu! Fou, bref, on récupère de nos émotions. Et surtout, regardez ça. Je viens de récupérer un livre. Livre qui nous dit...
Tu as trouvé ma petite surprise? Ouais, je l'ai trouvée, elle était pas cool. J'espère que tu as apprécié ce petit ajout. Non, pas vraiment. Tu trouveras les prochains crafts dans tes notes. En ce qui concerne l'entité, je l'ai créé en essayant de coder la nouvelle version de SCP-096. Malheureusement, le code s'est mélangé à une autre entité. Oh là là, dites-vous que là, présentement, ce qu'on a, c'est le truc le moins flippant de la vidéo, d'après les notes que j'ai. Oh là 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 là. Mais une chose importante, là, c'est que, regardez ça, je viens d'obtenir une arme qui s'appelle la Warrior Spirit Staff, et quand je fais clic droit, regardez ça, ça invoque un guerrier qui est censé me défendre. Viens ici, saleté de Gremlins! Et comme vous l'avez vu, c'est pas vraiment encore au point. On se fait encore fumer. Du coup, juste avant de continuer, on va partir faire un petit tour dans les mines. Et comment vous dire que j'ai pas du tout envie d'aller faire un tour dans les mines? Si seigneur que c'est vrai ça. Oh, j'allais dire surprise, je viens d'arriver, mais regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ces créatures là encore? C'est des chiens de l'enfer mon ami. Je sais pas du tout s'ils sont hyper puissants. Du coup, Pac, on s'équipe déjà les bottes. Et malheureusement pour moi, juste à côté d'eux, il y a du fer. Du coup, hop, on invoque ça et à l'attaque. Est-ce que ça attaque? Mais il attaque pas du tout. File de là. Voilà, nickel, pour le Gondor. Oh non, en fait, pas du tout pour le Gondor, on se tire. Voilà, nickel, juste comme ça. Allez, ça crève. Et hop, les chiens de l'enfer, c'est terminé. Et autant vous dire que la vérité, eh ben, j'espère qu'il n'y en aura plus jamais. Et toi, pourriture, goûte voir à mon invocation. Voilà, oh là là. Il a soulevé l'invocation, le Titi. Ce qui veut dire que malheureusement, cette épée servira uniquement contre les monstres Vanilla. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Et monsieur l'âme, surprise, on est full stuff. Ce qui veut dire que maintenant, je me rends en direction du cimetière. Et sincèrement, j'ai pas du tout envie d'y aller. Oh, et regardez ce que je viens de découvrir là en me rendant au cimetière. Une petite pierre à Hamidou. Hamidou! Oh, une main! Attendez, est-ce que c'est une main vivante? Oh là là, regardez ça! Tiens, à l'attaque! Ouais, je sais pas ce que c'était, mais mon guerrier de l'enfer l'a battu. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Soulève-moi ça, mon guerrier! Oh, 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 oh! Est-ce que c'est Hamidou? Hamidou, mon frère! C'est pas gentil de m'effrayer comme ça! Oh, oh là là! La vérité, c'est même plus effrayant que la série SCP, ce truc-là. Mais bref, là maintenant, tout de suite, on va reprendre nos esprits. Hop, fouillage de coffre de la Golden Apple. Parfait. Une selle, Sharpness 2 et Bad Blood Staff. Ok, parfait. Ça, ça m'a l'air d'être pas mal, ça. Et hop, encore une petite pomme dorée et encore une selle. What the fuck? J'en avais pas besoin d'autant. Bah écoutez, pourquoi pas? Parce que regardez ce que je peux crafter avec la selle. Je peux me crafter le sceptre du cauchemar. Sceptre du cauchemar qu'on va tester dans un instant. Tiens, prends-toi un coup de sceptre du cauchemar. Oh, oh, mauvaise idée. Prends-toi un coup de seringue, idiot. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? J'invoque du sang démoniaque qui s'attaque aux ennemis. Oh, ça, c'est trop bien, ça. Et ce petit coco-là, je sens qu'il va m'être particulièrement efficace pour me rendre au cimetière. Et oui, c'est bien ce que je disais, il est particulièrement utile parce que, bah, regardez ça, il semblerait qu'on soit au cimetière et surtout qu'on ait découvert un petit livre. Dans la crypte la plus profonde, tu trouveras la deuxième créature avec laquelle j'ai mélangé SCP-096. Il se peut que tu l'aies déjà croisé. Mais avant ça, surprise! Oh, oh, je déteste les surprises! Oh, oh, non, 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 please! Il me reste un point de vie! Frère, c'est pas drôle du tout! Je sais même pas ce qui m'attaque! Oh, oh, regardez ça, il est juste là! Oh! Goutte de sang démoniaque! Oh non, il veut me faucher, il veut faucher mon âme! Oh! Dieu du ciel, c'était quoi ce truc? Eh ben écoutez, je sais pas du tout ce qu'était cette créature, mais en tout cas, elle m'a complètement fumé. Et en plus de ça, elle a fait despawn l'entièreté de mon stuff. Stuff qui est réapparu dans mon inventaire, comme par magie. Mais bref, suffisamment blablaté, maintenant j'ai la crypte la plus profonde du cimetière à rechercher. Et vraiment, je sais pas du tout ce que je dois chercher. 3 hours later. Et écoutez, au vu de ce que j'entends par là, il semblerait que j'ai découvert la crypte. Ah ouais, ah ouais, définitivement, c'est ici. Oh, oh, c'est moche. Oh, c'est moche, ces trucs! Filez! Voilà, et de 1, et de 2. Voilà, fabuleux. Elle est où, la crypte? Est-ce que c'est ça, la crypte? Je sais pas ce qu'on a là-dedans, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Oh, et non. Oh, non. Oh, c'est le truc de tout à l'heure. Oh, prends-toi du démon sanguinaire. Oh, non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, nickel, on est caché. Oh, non. Oh, j'ai pas envie de mourir, frère. Oh. Oh non. Oh non. Ok, 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 on est camouflé. Enfin, du moins, je l'espère.
On se remet full vie comme ça. On regarde où il est. Oh, il est là. Oh, il est là, le gros. Oh là 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 là. Surprise, mon tabarnak, c'est Johnny. Oh non. Oh, oh. Oh, à 2 points de vie. Oh là 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 là. Oh, il est terrifiant, ce monstre. Oh. Mais je le préfère mort que vivant. Ça, c'est certain que oui. Tano et petit panneau qui nous dit, c'est là. Ok, nickel. Au moins, on n'a pas tué ce mob-là pour rien. Bref, du coup, on va faire un petit fouillage des pots. Voilà, nickel. Oh, pomme de notch. Oh, nickel. Oh, armure en netherite. Oh, trop bien. Mais donne, mon frérot. Bien sûr que oui. Il est où, le dernier item? Ah, il est là. Magnifique. Bon, en fait, il manque le casque, mais c'est pas bien grave, on est complètement pété maintenant. Enfin, pas vraiment, mais venez, on faisait comme si on était pété. Bref, du coup, coffre avec petit livre, et petit livre qui nous dit « Voici l'une des créatures mélangées à SCP-096, elle est belle, non ?» Si tu veux vraiment voir la suite, d'accord, rends-toi en 10360. Mais c'est pas beau à voir. Ok, fabuleux. Fabuleux. En fait, pas du tout, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Et après un tout petit peu de cheval, eh ben, nous y voilà avec un nouveau coffre et un nouveau livre. Livre qui nous dit, ce n'est pas encore la créature finale, mais un avant-goût du cauchemar qui t'attend. Car c'est cette créature qui est la troisième créature qui s'est mélangée à SCP-096. Par contre, quelle créature? Oh! Oh! Cette créature! Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh! 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 Ça a cassé le truc! Oh! 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 Oh, c'est atroce! Oh, mais la créature... Oh, mais la vérité, la créature, elle doit être abominable. Tiens, prends un petit peu de sang démoniaque. Voilà, nickel. Oh, oh. Qu'est-ce qui vient de se dire? Apparemment, il y a une nouvelle entité qui vient d'apparaître. Oh, je sais pas ce que c'est. Mais hop, on fait réapparaître un peu de sang démoniaque. Et voilà, tu meurs. Fabuleux. Fouh. Oh, la vérité, à mon avis, la créature que le modeur a créée, elle va être terrifiante. Parce que déjà, les 3 créatures qu'on a vues là, eh ben, elles étaient pas magnifiques du tout. Non, ça c'est certain. D'ailleurs, regardez ça, on a un petit coffre juste là. Oh là là, on a un nouveau livre. Et on a apparemment une photo avec un livre qui nous dit, tu entends ces pleurs? Regarde la photo. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Petit. Oh. 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 Yes, SCP-096. Oh. What? What? La vérité, il est terrifiant. Adieu. Oh. 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 Non. Oh. What? Oh. Il m'a one shot. Oh, la violence! Mais je crois que c'était prévu, parce que regardez ça, on a un coffre ici, il nous dit « Tu es mort comme prévu !» Et tu veux toujours voir la créature. Rends-toi dans les cryptes en 10650, 110 000. Et écoutez, j'ai mon coffre qui est ici. Ok. Ok, du coup, on y est. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire très très attention. Oh non, vous entendez? Titi! Oh! Il y a quelqu'un qui crie à l'aide! Oh la vérité! Oh la vérité, je sens que c'est la créature qu'on cherche! Oh, on est proche du dénouement, messieurs dames! Titi! Petit! T'es où? Je sais pas, mais moi je suis en train de flipper grave! Petit! Oh, ça continue de crier! Oh, ça vient d'ici! Oh, c'est quoi? Oh! Regardez ça! Ça ressemble à SCP-096 et toutes les créatures chez nous qu'on a eues! Oh! La vérité, je te fous! Oh, oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, 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 c'est quoi cette abomination? Oh, qu'est-ce qu'il a créé? Oh, il y a des petites bêtes qui sortent! Oh, what? Qu'est-ce que c'était que ça? Eh ben écoutez, j'en sais rien, mais je suis pas pressé de l'avoir dans l'aventure SCP. Ça, c'est certain que oui. Du coup, comme vous l'avez compris, voici comment la créature qui s'appelle Patient, eh bien, a été accidentellement créée par mon modeur. Bref, du coup, pour ma part, c'est la fin de cette petite histoire. Si jamais vous l'avez kiffé, n'oubliez pas de vous abonner, de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'était John. N'oubliez pas que je vous kiffe. Peace.